C'est 145 territoires, les projets du chef de l'État, la construction des écoles, des bâtiments administratifs et des centres de santé. Ici, nous sommes à Sekebanza, dans le territoire de Sekebanza au Congo central. Les bâtiments que nous faisons ici, ce que vous voyez ici, c'est les bâtiments administratifs du territoire. C'est nos groupes qui s'en est occupé pour la pose de peinture et tout. On a fourni la peinture. On a fait la pose de la peinture, tout ça, tout ce qui est peinture, tout ce qui est la beauté de ces bâtiments que vous voyez, c'est nos arts groupes qui a fait ça. Nos arts groupes, c'est une équipe, c'est pas moi seul, c'est une équipe. C'est ça, c'est ce que je disais, c'est ça même qui fait la force de nos arts. C'est pas mes arts, c'est nos arts. Chacun vient avec sa pierre dans l'édifice pour construire nos arts. La question, comment on a eu Monsieur Orly Matala? En fait, nous sommes chef d'équipe à niveau à travers 145 territoires à la Kitia Yaba. Nous allons qui s'est mou, qui s'est et puis nous sommes tous les deux à Tamisiko à la Yaba. Donc, nous sommes chef d'équipe à Yaba à la Kitia. Nous allons superviser mes salaires. Oui, ma cambo, nous allons à la Kitia. Nous allons à niveau à IB1, SSI de Boza, la Humanité. Na Silici, na j'ai diplôme na ngepo na matisu na université na Silici le on peut soutenir na université académie de Moussa. Il est ça peintre vraiment peintre ya ya Moussa groupe. Ouais, mission de bateau ko sala Moussa la ya oui, 145 territoire ya Fatih Béton. Et tout ça déjà un mois et demi a déjà mandat de yaki. Nous mojo mona Moussa la ya ngwana et tout ça les mois. Donc tout comme presque vraiment à la fin. Donc tout le barat aussi ici vraiment. Donc on va finir sur Mickey. Et tous sont des spécialistes donc. Spécialistes, plus que des spécialistes même. Il y a des gens extrêmement talentueux ici dans nos arts. Ce ne sont pas des aventures. Vous verrez, il y aura des témoignages des différents ingénieurs des chantiers qui vous diront la force de nos arts, la qualité du travail qu'a eu à produire nos arts. Pour tous les sites qu'on a eu à passer, il y a toujours des félicitations. Bon, en tout cas, beaucoup de chapeau à nos arts, vraiment Moussala, et Salemi vraiment très très bien. Et je crois aussi que Bilili est un bon témoin. Vraiment, Moussala et Salemi très bien. La normalité, nous sommes dans la condition, nous sommes vraiment beaucoup de chapeau à l'entreprise et à nos arts groupes. Bon, Moussala et le bon aspect d'ango d'abord précision et puis talent aussi. Je crois que ceux qui basala qui d'abord sélectionné au préalable, c'est par rapport à savoir-faire nabango et puis précision et puis fiabilité à Moussala. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Et puis, esprit aussi à créativité. Parce que ça, il n'y a pas vraiment eu de tâtonnage, mais la précision plus. Et puis, les séries. L'État, il faut que le travail soit bien. Il faut souligner aussi la qualité des techniciens de Procom. Procom, l'entreprise qui a chapeauté ces projets. Il y a vraiment des bons techniciens, de très bons techniciens, de très bons ingénieurs. Parce que tu vois, les peintres, avant de passer, si déjà les finisseurs étaient bons, ça facilite les travaux aux peintres. Tu vois un peu? Donc, Procom a vraiment de très bons techniciens, de très bons ingénieurs. Vous pourrez voir vous-même la qualité de cette œuvre. C'est vraiment magnifique. Donc, merci à Procom d'avoir cru en nous aussi. C'est l'un des sites qui a peindre nos arbres aussi. Donc vous pouvez constater de vous-même la qualité de la peinture. C'est vraiment une très haute qualité. Et si d'ailleurs on peut même faire un essai pour voir que c'est la bonne qualité, c'est la très bonne qualité, je peux le dire.
combien de temps que vous travaillez ici déjà, tant que peintre vous-même? Je dirais depuis le début de la pause de la peinture proprement dite, je dirais 2 semaines que je suis ici. Il fallait aussi préciser tout ça. Nos arts groupes, c'est l'art dans toute sa globalité. C'est pas seulement la peinture, c'est l'architecture, c'est la sculpture, c'est la